Bonjour soldats et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle aventure galactique sur Call of Duty Infinite Warfare. Vous l'avez compris, c'est une campagne solo dans l'espace, futuriste. Je sais qu'à l'époque de la sortie en 2016, ça n'avait pas plu à tout le monde parce que beaucoup disaient non, Call of Duty c'est la Seconde Guerre mondiale, éventuellement l'ère moderne, mais le futur on n'en veut pas. Je pense qu'au fur et à mesure des années, c'est comme certains films, comme Scarface et comme d'autres, ils ont vraiment acquis une réputation et cette campagne apparemment, d'après ce que j'ai lu, par exemple sur Steam, dans les avis, elle est très appréciée. Elle est spectaculaire et j'ai hâte de la redécouvrir parce que pour être franc, je m'en souviens plus vraiment. Moi parfois c'est souvent, hein, quand je fais une petite découverte d'un jeu, j'y joue une demi-heure, après je l'oublie complètement. Allez c'est parti, on démarre ensemble. La campagne, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit like, ça me ferait très plaisir si ça vous plaît bien sûr. Mais en tout cas j'espère qu'on va bien s'amuser les amis. Pensez également à vous abonner pour bien sûr ne pas louper les prochains épisodes, il y en aura un par jour, on joue en seconde classe. Le soleil, la lune, les étoiles, ces astres auraient disparu il y a bien longtemps. S'ils avaient été à portée des mains prédatrices de l'homme. Nos besoins ont épuisé les ressources de notre planète. Nous nous sommes donc aventurés au-delà de notre atmosphère. Cette nouvelle frontière constituait la promesse d'un nouveau départ. Mais l'isolement de l'espace a fait naître un mouvement sans aucun lien avec notre monde d'origine. Nouvelles règles, nouvelle ambition, un nouvel ennemi. Le front de défense des colonies a bâti une armée et s'est opposé à la Terre dans le sang et la violence. Ce ne sont pas des révolutionnaires, ils veulent le pouvoir absolu. Ils pillent les colonies, volent leurs ressources et contrôlent les territoires par la force. Leur flotte nous bloque l'accès à des matériaux de première nécessité. Leur mission est d'éradiquer tout ce qui provient de la Terre. Aujourd'hui, le 7F est une machine de guerre, dirigée par son armée. S'ils avaient un leader pour les unir, alors ils viendraient pour conquérir notre planète. Warlord, ici Scar 1, en attente pour intervention. Bien reçu, 3-1. Le front de défense des colonies attaque l'un de nos centres d'armement. On pense que cela fait partie d'une opération, nom de code RIA. D'après nos renseignements, le front a pour cible une arme prototype. Votre équipe devra la mettre à l'abri et saboter le site avant que l'ennemi ne tombe dessus. Entendu, Warlord. On s'en occupe. Une minute. Présence habillée. Le site est abandonné. On récupère notre arme et on brûle les installations. Vérification de l'équipement. Système RMO activé. C'est les règles d'engagement. Feu à volonté. Ok pour moi. 10 secondes. Porte. Est-ce que vous êtes bien sûr de votre coup, les gars? On y va! Allez, allez! Adienne que pour, hein! Wow! Ah oui, d'accord, on saute de 5000 mètres, tout va bien. J'ai failli lui rentrer dans le cul. Alors, en effet, on peut remarquer que c'est un petit peu futuriste, un poil. Wow! La chute! Chute vertigineuse. Ok, maintenir A pour amortir. Waouh. La température est de moins 150 degrés, faut pas traîner. Reaper, les SCAR sont sur place. Reçu 1-1, insertion verticale au nord de votre position. Reçu, en route. C'est impressionnant. Alors pour info, j'ai pas dit, on est sur PC, tout à fond au niveau des graphismes. On va se régaler. Sauter. Mais comment ça, hein? Oh là là. Bah faut amortir là aussi, hein. Coucou! Sipes, passe devant. Sympa les couleurs. 1-1 à Reaper, troupe du 7-Def dans la zone. Contact avec l'ennemi. Vous d'abord, les gars. Oh,
T'as commencé à viser vite ? Faut mettre la main sur l'arme avant eux. Ah, mais parce que c'est futuriste. C'est bon. Joli. Point d'entrée, droit devant, à 30 mètres. On continue. Reaper, on approche du point d'entrée. Attention, forte présence du front dans le secteur. L'imagerie thermique n'est pas fiable en profondeur. Soyez vigilants. Ah, contact. Il y a un vaisseau là-haut. D'accord, j'en prends un. Bien joué. En mouvement. Et deux, nickel. On y va ! En avant ! Laisse-moi recharger. Alors par contre, vous le savez, j'ai la maladie de recharger tous les quarts d'heure. Appuyez sur A pour sauter puis maintenez A pour vous propulser. Ça, c'est du double saut. C'est quoi la seconde arme ? FHR-40. Ouais, c'est speed aussi, ça. Hein. Messieurs, bonjour. Ça brille, là. C'est le reflet du soleil. Ok. Grenade chercheuse. Mais non. Énorme. Quand je pète ça là-bas, j'y vais un explosif. On se disperse. Pas mort, lui. Notre arme est dans la chambre forte de l'arsenal à 500 mètres d'ici. Distance de combat rapprochée. Changez de viseur. Ah, c'est bien d'avoir le propulseur comme ça. Maintenez Y appuyé sur pour changer de mode de visée. Ouais. Attends, c'est quoi la différence? Ah oui, j'ai un viseur qui est plus grand et là qui est plus petit. Ok. Bon, on verra la diff. Lancez une antigrave. Qu'est-ce que... Ah, ils vont s'envoler. Énorme. Ils ont leur compte. Oh mais c'est trop bien. Eh, moi j'adore les Call of du futur comme ça. Ouais. Oh, le réflexe. C'est bon. Surveillez vos secteurs. Point de contrôle. Reaper, on est dans le secteur de recherche. On se dirige vers l'arsenal. Reçu. Attention, le 7F est pratiquement à l'intérieur. L'opération RIA ne doit pas réussir. Quand l'arme sera en notre possession, je pourrai activer la séquence d'autodestruction. Reçu. Il y a un autre jeu FPS comme ça que j'aimerais bien faire sur la chaîne. Je le ferai un jour, hein. C'est Titanfall 2. Apparemment, la campagne est géniale aussi. Allez, on voit. J'ai un petit cadeau pour vous, les gars. Attends, mais ils sont, je sais pas combien. Attends, je me couche. Déplacement. Tactique. Nagre. Ah oui, ils peuvent en envoyer aussi. Ma petite bestiole. On s'arrête pas. Logiquement, ça va vers l'ennemi. Ah, pardon, c'est mon pote, je crois. Ouais, ça s'appelle comment ? Sipes. Reste désolé. Concentré, on n'est pas tiré d'après. C'est pas un mec ça ? Non, c'est une machine. Alors, est-ce qu'on peut changer d'arme ou est-ce qu'on reste ? Non, en général, vous aimez bien qu'on... Ah, on peut les récupérer ? Excellent. En général, vous aimez bien qu'on reste avec les armes qu'on nous a attribuées pour la mission. Allumez-les ! Ok. Bien joué. 1-1, on a dépassé le temps imparti, on a presque plus de carburant. Quelle est la situation ? On arrive à la cible, extraction dans 6 minutes. Terminé. Le terminal est de l'autre côté. Sipes, donne un coup de dent. Un petit coup de tatane. Zone dégagée. Reaper, on est dans l'arsenal. On s'apprête à récupérer l'arme. Reçu 1-1. L'arme est dans la chambre forte. Dès que vous l'avez récupérée, je lance un second. Démarre le Sipes. On va en avoir besoin. Caval, prenez le combat du même système. C'est ça la cible de l'opération RIA. Reaper, on a l'arme. Confirmez l'exécution de l'ordre d'autodestruction. Compris. Démarrage de la séquence d'autodestruction. Confirmé. Va falloir évacuer. Connectez la console pour initialiser l'opération. Reçu, on est en route. Rendez-vous dans 5 minutes. Pas de temps à perdre, on fonce. Tout le personnel doit quitter la zone sur le champ. Mais c'est quoi cette beauté? Ah, la vache. Cette arme, elle est incroyable. C'est presque épuisé par contre, hein. Où ça? Ici. Ok. Et t'as vu, j'ai l'impression que les munitions se lient un peu entre eux. Attends, je bouge. Ça me semble des recharges, non? Attention, meurs pas s'il te plaît. De préférence. Il y a du monde là-bas aussi.
Waouh, mais c'est une arme de destruction. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? Je suis juste contre un mecha, hein, tout va bien les gars. D'ailleurs, on fera un jeu dans cette fin de mois d'août, les amis, avec des robots. Armored Core 6, il me semble celle 6. Wow. Je vais péter sa mitrailleuse sur le côté, enfin en tout cas, ce qui envoie soit des... Waouh, des balles ou des missiles. Ne vous allongez pas avec cette arme. Ou alors on ne peut pas ça... Hé, d'où tu viens là, toi? C'est bien, lance-missile. Déglingue-le. Oula, oula, oula. Ah oui, on est mal. Les gars, je me tiens. Ouhouhou. On peut pas s'allonger avec cette arme spécialement. Si t'envoies une greu, pas une chercheuse, ça fait rien sur lui ici. Ça marche? C'est quoi, on voit? Allez, fais ton taf, s'il te plaît. Voilà, déjà, il envoie plus de missiles. C'est chaud, hein. Attends, il va exploser, non? Ah, il me semblait. Il faut se barrer. On a 50 secondes. Oui, faut pas dire par où, dis-moi. On avance. Oh, le bordel que c'est! Ça, c'est du Call of Duty! Comme on l'aime! Vous allez tous mourir. Attention, machine! Ah, d'accord. Active. Adieu. Accrochez-vous à ce que vous pouvez! On a besoin d'air! Relevez-le, il a besoin d'air. Reprenez votre souffle, soldat. Combien êtes-vous venu? Y'a que nous! Et l'appareil qu'on a abattu alors? Mes hommes, ils ont besoin de soins! Vous vous inquiétez pour vos hommes? Voilà pourquoi vous n'avez aucune chance de gagner. Cet endroit... ne vous appartient plus. Tuez-les. Et économisez vos balles. C'est quoi, Ria? La caméra ne transmet plus. Ça fait 18 heures, aucun contact, aucune demande du SEDDEF. C'est pas dans leur genre de faire des demandes. Ils ont annexé notre planète. Exécuter 3 hommes et abattu un pilote. Notre équipe était là-bas pour récupérer des armes secrètes sur un site fermé. Un complexe confidentiel, amiral. Qui a donné l'autorisation au fond de le survoler? Conformément aux accords, toutes les nations jouissent d'un accès libre... Et même, cet objectif nécessitait un groupe complet, pas 4 soldats. Lieutenant Reyes, je vous engage à plus de diplomatie dans ce bureau. Et à prendre un autre ton. Pardon. Qui d'autre est au courant? Pour l'heure... l'état-major de l'armée de l'air, et vous. Ils ont commis un acte d'agression délibéré. On devrait être sur place, pas ici, à sortir les cotillons. Les règles d'engagement interdisent toute réaction définitive dans ces circonstances. Alors on reste sagement planté là, à regarder le défilé de la flotte? Lieutenant,
Comprenez-moi bien. Ma conviction qui rejoint assez fermement la vôtre est que nous devons riposter. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'est des politiques, Reyes. Ils se torcheraient avec n'importe quel drapeau pour faire tourner la machine. Chez ces hommes, l'idée d'une offensive déclencherait des fuites urinaires incontrôlables. Avant la guerre, l'armée n'a pas de pouvoir. Mais le temps qu'on soit en guerre, il sera trop tard. La moindre hésitation est fatale, vous nous l'avez assez répété en cours de pilotage. Trouvez et réglez le problème. Vous avez toujours appris vite. Le commandement stratégique a conscience de la grogne. Pour l'instant, il est hors de question de recourir à la force sur le terrain. Ce sont les lois de la guerre. Merci pour le briefing, monsieur. Amiral Reins, E3N est en position sur le toit. Très bien, merci. C'est quoi, E3N ? Allez voir par vous-même. Vous n'allez pas en revenir. En paix. Combien ? 4. Ils sont morts. Sur Europe ? Le front était là. Ils les ont tous tués et ils ont pillé le site. Oh, sale enfoiré. Ce défilé de vaisseaux est ridicule. On devrait être dans nos jackals à monter la garde. L'amiral est du même avis. Alder le sait ? Négatif. Aujourd'hui, le RET ne fait pas la guerre, il fait un défilé. Toute la flotte est à Genève ? Ça me paraît dingue. On fait ça tous les ans, Soult. Bon, ne manquons pas la fête. Mais je vous en prie, lieutenant. Merci. Viens, on prend le chemin des écoliers. J'adore les petits écoliers. Alors j'ai hâte vraiment de voir les séquences en jackal, vous savez, les vaisseaux. Parce qu'apparemment, c'est super bien fait. Je m'en souviens plus. Mais je sais que une c'est bien fait. Une liste qu'on préfère éviter. Mais à tous nos morts. Ah oui, si on peut y être inscrit le plus tard possible. Bienvenue à la parade. Waouh. La parade de Genève. Enfin, il y a de ces vaisseaux quand même. Regarde-moi ça. Voilà la Retribution. Pas fâché de rentrer. Ouais. T'as passé qu'une journée à terre. Je préfère le noir de l'espace sauvage. Pas la seule. Rens m'a parlé d'un truc appelé E3N. Tu connais ? Négatif. Renman cache un paquet de secrets sous sa casquette d'amiral. Il va se rendre à la cérémonie avec nous. Évite d'employer ce surnom. Jamais en face. Mais voilà le meilleur. Où c'est vous ? Par ici, officier. Elle est pas chez elle. Les avantages du métier. Notre avion nous attend. Je l'aime bien. Enfin, si tu me diras, j'aime tous les filles dans les jeux généraux. Le gros charreau. La population en demande. C'est de la com, Reyes. C'est de la propagande, Saul. On a perdu 4 hommes et on fait ça. On a les mains liées. Prenez du repos aujourd'hui, Reyes. C'est un ordre. Tu n'as pas à me donner d'ordre. On a le même grade. Tu n'as pas à me donner d'ordre. On a le même grade. Oh, attention, madame a du caractère. Lieutenant Reyes. C'est quoi ce truc ? Je parie que c'est E3N. Affirmatif, lieutenant. Premier maître E3N, engin tactique humanoïde, troisième modèle. Tu parles d'un nom ? Je trouve aussi. Appelez-moi Ethan. Quelles sont tes consignes ? J'obéis au capitaine Alder sur le Retribution. Programmé pour le combat ? Sur tous les plans. Un tueur né. T'as l'air de pouvoir faire de sacrés dégâts. Eh bien, vous allez me faire rougir, lieutenant. Ça ira, Ethan. Je veux encore monter seul. Bienvenue à bord, amiral. Bon, les présentations sont faites. Nous pouvons décoller. Ça fait peur, hein. T'as comme il parle, on dirait un véritable humain. Ça pourrait devenir mon pote. Il est assez coloré, le jeu. Vous avez bien gardé le secret sur le projet Ethan, amiral. Alder le savait. Première version de combat, très impressionnant. Il doit être présenté à la cérémonie. Je vous ai dit que je le traque, amiral.
t'éprouve des sentiments? Bien sûr, lieutenant, bien sûr. Mon cerveau est celui d'un paysan humain. Oh la vache, non, t'es sérieux? Non, absolument pas. Il vous a eu, lieutenant. Même pas. L'Antis ne chôme pas aujourd'hui, hein, Amiral? Beaucoup de trafic allié. La prudence avant tout, lieutenant. Tu connais les systèmes d'interception, Ethan? L'écran de fer de la Terre, une puissance massive. Vengeance, ici Raven 6, en approche finale. Reçu 6, accès permis. Monsieur l'amiral. Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Les canons Atis. Ils semblent braquer sur notre flotte. Attention! Tu vas te toucher! Je prends le manche! Ok, c'est le bordel. Ah ouais, ça a pas l'air bien puissant ce pistolet, hein. T'es avec moi, toi. Ok. Allons-y. Je n'ai vu un autre, non? Oh, la vache, n'est en face aussi. Je sens que ça va être tendu. T'as chaud, par contre. On vient très rapidement au rouge. Assez surprenant. De bien viser le crâne de préférence. Ah, mais j'ai que ça comme arme. Attends, on est mal, hein. Attends, faut que j'en pique d'autres alors. Oh, je vois les faisceaux verts. Ok, donne-moi ça, un petit karma. Ouais, ça va déjà un peu mieux avec ça. Oh la vache, ils arrivent en nombre. J'ai pas de grenade, j'ai rien apparemment. Il faut filer un petit peu à gauche à droite. Les éliminer au fur et à mesure, ça me tire de là-haut. Ok. Wow. Ils reculent. Ils ont peur de ma puissance. Je sais. Tiens dans les fessouilles. Ouais, ça va, je pense qu'on va avancer là, on a l'occasion peut-être. Est-ce que nous on a le jetpack? Ah bah non. Attends, comme deuxième arme. Parce que je vais pas rester sur mon pistolet, je prends ça, ça n'a pas de viseur ce truc. Des fois ça peut être bien aussi. Allez, on monte au premier étage. Oh, restez ici, vous. Personne à droite, c'est bon. On est bien. Viseur réflexe. Non mais je vais rester là-dessus, ça a l'air plutôt puissant. Par contre c'est un peu long pour recharger. À tous les scars ici, 1-1, vous me recevez? Les communications sont bien. Dépose des troupes! Il faut reprendre le contrôle de l'Atis. Pour le moment, c'est tout ce qui compte. Il nous faut des armes antipersonnelles. Tiens, j'ai pris des grenades dans le transport. Bien vu. C'est bon, ça. Explosif. Maintenant. Ouh! C'est trop beau. C'était quoi le cabar? Attends, on refait le plein. On va un frag. Ok. Désolé pour les pots de fleurs. La déco de la ville risque d'en prendre un petit coup. Envoie. Oh, c'était chaud. C'est bien. Vous le savez, comme d'habitude, on peut renvoyer les grenades comme à chaque fois. Jamais j'y arrive, mais aujourd'hui, on se sent plutôt en forme. Des civils, attention. Là-haut. Ok, tout va bien. Il était seul, non? Ouais. Il s'en va. Remarque, son viseur, c'est bien, hein. Attends, ne pas tirer sur les alliés de préférence. Écartez-vous de ma mire, s'il vous plaît. Soyez cool. Ah ouais, d'accord. Ils sont très nombreux. Tiens, je vais repasser sur celui-là. J'ai pas beaucoup utilisé. Ouais, ça m'aide d'être quand même plus zoomé, hein, cette arme-là. Oh,
On va du lourd. Ok. Ils ont quand même des sacrées armures, hein, parce qu'on les tue pas comme ça. Bah, faut dire aussi que quand on vise mieux, ça fait plus mal. Tiens, des petites chercheuses. Je préfère ça au grand frag, remarque. Allez, on voit. Bon, plutôt plaisir. Hein. Vas-y, on voit sur tout le monde. Tu sais quoi, on les largue toutes. Et on peut refaire le plein. Et cette fois-ci, des grenades frags, j'en ai 4 du coup. C'est bien ça. Nao. Réflexe, 12h. J'ai. Ah. Ça pour moi, c'est 11h. Est-ce que ça tire à travers les murs? On voit les impacts de balles sur les surfaces. Mais je suis pas certain qu'on les touche à travers. On va se rapprocher de la tour. Oh putain, j'ai visé un peu haut. J'ai pas prévu celui-là. Pourquoi ça prend-il aussi vite? Je sais pas, Ethan. Les batteries font toujours feu sur la flotte. Le seul moyen de sauver la ville, c'est de reprendre la tour de la Hadis. Il m'a surpris, celui qui arrivait dans les escaliers, là. L'Endurance est touchée. Attention. Voilà. À droite. Waouh. Incroyable. J'ai cru au tsunami, sans déconner. Oh, c'est vachement bien fait, hein. Je me rappelle dans Ghost qu'on a fait juste avant, c'est le dernier Call of qu'on a découvert ensemble, les amis. Il y avait eu une inondation, c'était déjà impressionnant. Là, pareil, hein. J'adore quand vraiment ça joue avec les éléments comme ça. Les éléments se déchaînent. C'est toujours très impressionnant, comme dans Gears of War 5 aussi, il me semble, avec les orages et tout. C'est bien foutu. Les escaliers, là. Allez Ethan, on te suit mon pote. Ah d'accord, ça nous accueille en hauteur. Prenez un revers. Yes. Ouh, j'ai su arriver. Droite frag les gars. Hop là. Mort. Blessure. Ah d'accord, c'est marqué en plus. Trop bien. Eh oui, on est dans le turfu. C'est marqué élimination ou blessure si jamais. Ok, je fais gaffe toujours rester derrière les murs. Hé, hey, toi! Là-haut, je peux l'avoir ou pas, hein? Ça touche pas à travers le mur, j'ai l'impression. J'aime bien essayer des choses. Nickel. Attends, je passe sur l'autre, essayons de varier un tout petit peu. Je le trouvais bien puissant aussi. Personnel ennemi, la porte. Là. À une heure. Par ici. Méfiez-vous les gars. On est pas trop mal. C'est un cul-de-sac, Ethan. Je peux vous aider à franchir ce mur. Par ici, lieutenant. Attends, laisse-moi 2 secondes pour recharger. J'arrive. Pas forcément lui-même sans problème. C'est tellement énervé ce début de campagne. Wow. Oula, et où? On se regroupe, vous éloignez pas. Continuez à avancer. Passe devant. Sors-nous de là. À vos ordres. Civil droit devant. Ne le faites pas. Vous allez bien? Mettez-vous en lieu de fuir. Ça va vraiment devenir mon pote. Dans la rue. Abritez-vous. À gauche, par l'escalier. Ok. Escalier. Vous entendez? Faire attention si jamais il n'y a pas un ennemi qui se passait pour un civil. Wow. Ou un robot. Par contre, on risque pas de le confondre avec un civil classique. Hein. Ça y est, c'est la guerre des machines. Ok. Passe à travers. Les communications sont toujours coupées. La tour de la tisse est droit devant. Nous sommes tout prêts. Oula oula. Est-ce que c'est ça qui largue les... J'en ai bien peur. Ah, j'ai pris des munitions là, je pensais que c'était des grenades et tout. Mais non. Ce sont des caisses de mun.
Des chercheuses, yes. Donc on a le choix, vous le remarquez, avec entre les grenades frag et les chercheuses. On envoie tout, hein. Tu sais quoi, moi je suis comme ça. J'envoie absolument tout. Par contre, je reste accroupi, comme ça je risque pas de me prendre des dégâts à la con. Reprends des frags. Par contre, j'en ai que deux. Attends, je peux récupérer peut-être l'un. Ouais, comme ça, ça m'en fait 4, je suis à fond. Il y a une arme là aussi, attends. Le roux, viseur réflexe. Ah, ça a l'air plus lourd comme arme. Waouh. Mais par contre, ça fait beaucoup plus de damage. Ok. Mur. Je suis pas sûr qu'il soit mort. Dis-moi, est-ce qu'il faut des snipers dans cette... dans ce code-là? C'est bon, je suis à 4 au niveau des frags, hein, je vais rester comme ça. Ce fusil d'assaut est assez stable. Ok. J'en vois rien. Oula. Et de ce côté, la voiture va exploser. Attention. Là, c'est un peu tendu. C'est bon, le véhicule a bougé. Ouais, je trouve que dans cette campagne, dans ce call-off, on est plus vite en zone rouge. Tu vois. Wouh. Faut pas la renvoyer là par contre. Un cabar, je sais pas ce que ça donne. Loser, j'ai vu. Oh mais... Il m'énervait vous. Tiens, explose. Mort. Élimination. Ah, par contre, il prend un truc speed. Comment tu l'as eu? Je vois là-haut. On va passer sur l'autre, plus de stabilité s'il te plaît. Sors de là. T'as eu, j'ai vu la jambe. Headshot. T'as vu un petit peu ses times? Alors. Attends. Je me tire parce que là on est vraiment un petit peu en danger. J'avance trop vite. Je le sais. Ça va exploser au dernier moment, attention. Ah, je pouvais la renvoyer mais je préfère fuir. Des fois c'est aussi une bonne solution. Ah, c'est bon. À une heure. Merci mon pote. Il va exploser. Je l'ai senti. On l'a entendu en plus. Ça faisait... Reprenons. C'est mon pote ça. Hein. On voit là-dedans. Ça peut être intéressant. Il n'y avait personne. C'était pas intéressant. Salter, t'es avec moi. Ok. J'ai vu quelqu'un briser les vitres de ce côté. Bon, vous le tuez ce machin? Cette dev cherche à imposer sa loi depuis des années, Ethan. Il savait qu'il pourrait tout faire. Mouvement à l'intérieur. Reyes, vérifie cette porte. Je te couvre. Alors, jetez un coup d'œil. On peut le pousser comme ça. Coup de pied. Ok, bon, bah, c'est cool. Aucune question. Dis-moi, par contre, on n'a pas les grenades pour les soulever, non? Oh, oh non. C'était pas voulu. Pardon, madame. J'ai tué une civile. Bande d'enfoirés. Je vais me venger. Voilà, c'est bon. Sortons de là. Ça va, Ethan? Cool. Wow. Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Un module de piratage. Piraté. D'accord. Admettons. Relâchez. Ok, c'est fait. Maintenant. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. J'adore. Oh là là, mais c'est le pied. Mais totalement. Plaque de signal et auto-destruction avec RB. Ok. Ça, je m'en souvenais pas du tout. Gardez-le, lieutenant. À tous les postes. Marine sous le feu de l'ennemi. Progression des équipes doit être interrompue. Demandons un appui immédiat. Éclipse. Top 4, vous recevez? 5 sur 5, amiral, transmettez. J'ai besoin de vous à la tour pour couvrir l'infanterie. Reçu, amiral, en approche. Amis, amis! Ne tirez pas! Lieutenant Reyes, faites décoller votre jackal pour appuyer feu. Compris, amiral. Infirmier! Retribution ici, 1-1. Gator, faites décoller Scar 3 pour mission d'interdiction. Consigne de tir à suivre. Reçu, lieutenant. Sur zone dans une minute. Dole, ici Top 4. Appui aérien en approche. Dès que l'attaque commence, on prend cette colline. Alors, j'en fais le plein. Chercheuse.
Fragmentation. Ah oui, je vois que maintenant j'ai le LB avec... C'est quoi tu penses? C'est le piratage? Ouais. J'en fais plein également de munitions. On peut prendre, si on le veut apparemment, il y avait une arme niveau 4, non? C'était ça? Attends, je pouvais changer? Ah oui, je pouvais changer par exemple ici, voilà, je vais prendre. Dommage, pas encore de sniper. J'espère qu'il y en aura dans la campagne. C'est parti! Foncez droit devant! Sans mourir, c'est possible. Droit devant, je suis pas sûr. Hein. Oui, non. Ah! Tout va bien! Ok, là-haut. Ouais, je suis un petit peu loin, faut que je me rapproche. J'arrive, mon pote! Tous ensemble, tous ensemble. Flèche du haut pour utiliser le système de visée. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Commande de frappe, la cible est désignée. Oui, par contre, si ça frappe, ça veut dire que nous, il faut rester un peu loin, non? Attends, on va lancer des tirs. Ah ouais, je vois le jackal. Non, ça va. Vraiment, il vise juste. Ah, faut envoyer. Merde. Bravo. Ah bah ça, on va reprendre pas trop loin. Donc nous disions, la frappe. Je suis mort deux fois déjà. Demande de frappe, la cible est désignée. Ouais, je me suis fait exploser par une grue. Je n'apprécie pas les gars. Sachez-le. Tiens, on va pirater. Soyons pas cons. Voilà. Oh mais ça c'est génial de prendre le contrôle des autres robots. Hein. Je suis un traître. La machine. Traître. Alors auto-destruction. Vous pouvez les exploser aussi les copains. Ça peut être bien. Perte de signal. Il y a un petit côté justement de Titanfall, hein, le fait de pouvoir contrôler les machines comme ça. Auto-destruction. Véreux. Ah, je suis un petit peu loin. Ouais, parce que forcément il se fait bousiller par ses collègues après. Il me reste encore deux contrôles. Ok, t'es avec moi. Détruisez-le. Ok. Et. Système. Vas-y. Il y a quelques cibles là-bas. Piratage. Je peux pirater quelqu'un, non? Non. Oula. Oh, toi. Ok. On avance un petit peu, mais attention au vaisseau. Ah oui. Ça peut piquer. On va éventuellement le détruire avec notre jackal aussi, non? Ou alors, comme ça. Sans trop se poser de questions. Pirate à robot, on me dit. C'est-à-dire... Je peux pas pirater un robot, là. Le but, c'est vraiment de le détruire, mais peut-être avec le jackal, non? Ah oui! Bah, ça va être ça. Allez. Bah, juste bien le cibler. Profites-en pour repasser sur ta meilleure arme, parce que celle-là elle est plus stable et plus puissante, j'ai l'impression. Allez, ça c'est fait. Merci mon jackal. On va attendre un peu qu'il s'écrase avant d'y aller. On n'est pas encore à la tour, hein, moi je te le dis. Code 2-4, passez sur le flanc gauche. 2-6, prenez droit. Ok. Des soldats là-bas. La grue. Oh, elle est pas loin. Oh la vache. Les gars, je suis pas bien. C'est Ethan? Merde, c'est Ethan. Eh ben cette campagne, elle est relevée. Dis donc. Allez, système de visée. Ouais, ils sont juste devant nous. Allez, fais péter. Ah oui, cette campagne, un sacré challenge. Hein. Mais tant mieux. Chercheuse Max. Je t'ai envoyé. Bon, toi, hein, je peux dire. Allez, on voit toutes les chercheuses. De chacun son homme. Enfin, chacun son robot. Ça va bien. Sur le côté. Bien joué. Il avait une chercheuse aussi, lui. J'ai visé la tête. Putain, j'ai l'impression que je dois viser un chargeur à chaque fois. Dinguerie. Maintenant, je prends le contrôle. J'aime beaucoup ça. Salut les gars. S'il meurt, il meurt. On peut également attaquer au corps à corps, c'est vrai. Allez. Putain, on va pas tenir longtemps par contre. Autodestruction. Maintenant.
J'ai pas tué les deux qui étaient sur le côté, mais c'est bien, ça fait quand même un max de dégâts, ça. J'en ai blessé un, ok. Système de visée. Attention! Tire-toi vite! T'y retourne. Maintenant. Il y en avait un qui était juste à côté. C'est pas sérieux, ça. Attention, tu l'as vu. Tête de blette! Pas avec moi, toi. Bien sûr que non. Si quelqu'un veut aller aux toilettes. Tu crois que c'est le moment, là? Tire dans le dos. Là-haut, non? Non, c'est juste qu'ils sont loin. Allez, on rentre. On force le passage. J'ai un tir? Non, j'ai pas de tir encore. Allez, on fonce. Les gars. Je peux encore prendre un contrôle. Je vais essayer. Vas-y, prends celui-là. Relâche. C'est mon dernier piratage. Coucou! Vous allez tous m'ouvrir! Une petite brochette. Voilà. C'est pas beau, ça. Ça dégage. Pour instruction, une seconde. Adieu. Bah, mine de rien, ça fait un peu de ménage. On est à part là, apparemment, utiliser le système de visée, encore une fois. Bon, il reste pas grand monde, hein. Je m'écarte et je laisse faire le jacal. Il y a que deux cibles. Moi, je suis un vrai chacal. T'en prie. Parfait. Compris. Établissez un périmètre. Les SCAR se chargent de l'intérieur. Ethan, connecte-toi à la sécurité. Je veux voir cette pièce. À vos ordres. Diffusion sur votre ATH. Il reste moins de 10 vaisseaux. La flotte de l'UNESA est décimée. Lancement de la destruction du système ATIS. Mars et Kernon. On doit y aller tout de suite. Ethan, maintenant. Ah, nouvelle scène, slow motion. J'adore ça. T'es bon, ils sont morts. Surchauffe du cœur dans 8 secondes. Le terminal, vite. Jackpot, à tous les postes, je répète, jackpot. Remplacez-le, mettez le prisonnier aux arrêts. Premier maître, relancez la TIS. Il reste des vaisseaux ennemis dans le secteur. Tout de suite, amiral. Les forces de la Sato sont retranchées dehors et ils montent une base. Bien. Voyons cette belle enflure de plus près. Il a besoin de soins. Je veux rien du tout. Il a un badge de sécurité. C'est lui. Michael Aaron Page, département d'ingénierie mécanique, 2 ans. C'est une cellule dormante du front. C'est pas mon nom. Simplement celui d'un vulgaire terrien. Alors c'est quoi votre nom ? Commandant Akil Minria, front de défense des colonies. L'opération sur Europe. Vous avez causé une guerre. Oui, je compte bien la finir. Acquisition imminente des cibles ennemies par la TIS, Admiral. Merci, Ethan. Bien joué. Vous retardez l'inévitable. Sortez-le d'ici. Mars Eternum. Attendez un peu, Marine. Accordez-moi juste 5 minutes avec cet enfoiré. Salt. Beaucoup d'innocents sont morts pour rien, Reyes. Et c'est pour eux qu'on va aller se battre. Entendu. On est prêt, monsieur. En route. À tous les postes, ici SCAR 1-1. La TIS est de nouveau sous contrôle de l'UNESA. Je répète, on a repris la TIS. Le 7-def se replie. Ryder à base. Salter et moi avons besoin de zinc. Compris. 3-2 va les escorter. Bien reçu. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Notre carrosse est avancée, Ethan. Ah, ça va être trop bien. Ethan, accompagne le lieutenant Reyes. À vos ordres. Alors, il me semble même qu'à l'époque, il y avait eu un niveau avec le PlayStation VR. En vaisseau spatial, comme ça. En jackal. Pilotage automatique. Regarde ce qu'ils nous ont fait, Reyes. On va les faire payer, Soult. Tous les appareils disponibles. Le réseau de Shun donne la chasse, mais nous perdons du terrain. Nous devons quitter l'atmosphère. 1-2 reçu. On va s'y faire.
Scar en formation, on grimpe d'un étage. Réglage assiette à 90. Appel poussé horizontal. Barré à l'envol. Accélère, on appuie maintenant sur le stick. Lancement. 1-1, poussé normal. 1-2, poussé normal. Wow. Accélération nominale. Altitude 50 000 pieds. Affirmatif. Ennemi en avance. Un autre joueur. C'est parti. Propulseur enclenché. Ah d'accord, ici je retire. Mais si on approche. Ouf. Les leurs. Les scalteurs ennemis. D'accord. Attention au vaisseau. Alors, LT verrouillage. Oh mais c'est tellement impressionnant. Ah oui. Magnifique ces phases-là. Hein. Ok, verrouillage. Explosé. À ton tour. Alors est-ce qu'il faut viser le petit rond à côté? Parce que tu vois, il y a un petit rond de ciblage. Ou est-ce qu'il faut tirer pile poil dans le vaisseau? On en prend plein les mirettes. Ok. Les leurs CLB, t'as le jeu fait bien de le rappeler, je m'en souviens plus. Petite mémoire. Ouais, je pense qu'il faut viser sur le petit la petite cible qui est à côté. Waouh, il a failli m'exploser dans la tronche. Oh mais... Très très réussi. Ça m'étonne pas qu'ils aient fait une phase en VR aussi. Attention aux débris. Un vaisseau du 7-9 est encore en activité dans la zone. D'accord, j'ai la cible. À tous les appareils de la SATO, peu concentrés sur ce destroyer. Reçu, ah d'accord, il est énorme. DCA, détruire. Bien reçu. Missile. Tu penses que c'est plus efficace avec les missiles? L'autre. Il va ah, ça a l'air plus rapide avec ça. Bah, je me doute qu'il va exploser au bout d'un moment, oui. C'est un peu le but. Wow. Scar, ici 1-1, retour au Retribution. On rentre à la base. Reçu. Ici 3-4, retour à la base. 3-6, en route pour la base. J'ai le Retribution en visuel. Allez, on se regroupe, on ravitaille, on se les fait. Nous devrions regagner le vaisseau, lieutenant. Les propulseurs qui se rechargent. C'était court mais intense. Ah, j'espère qu'on en aura plusieurs et séquences comme ça. Puis t'as vu le mouvement des mains aussi sur les manettes. On génial. Rentre en Retribution. Les instruments se comportent bizarrement. Pareil, je vérifie la pression. Scar! Concentrez vos tirs sur ce porte-astronaute. Reçu. Ethan, tu pilotes, moi je vise. À vos ordres. Changement de position. Ici l'amiral Salenskos de l'Olaf. Vous avez perdu. La mort est honorable. Contre-mesure. On voit les tourelles. Je sais plus où j'habite. La lâche pas, Ethan. Vise le canon, Ratton. Les leurs. Mon arme qui a surchauffé, on peut changer. Retribution, repliez-vous vite. Le Retribution s'engage sur une trajectoire d'interception pour collision tactique.
position. Ici le Retribution. Nombreux blessés à bord. À tous les postes, le Retribution est en difficulté. Concentrez le feu sur ce porte-astronef. On continue. Retiré. ZO dégagé. L'Olympus a décimé la flotte, Reyes. Entrons à la base. Cap sur le Retribution. Guide-nous. Reçu. Retribution, ici Scarin. Demande permission d'atterrir. Reçu. Vous pouvez atterrir. Piste de Lima. Compris, de Lima. En approche. Attendez le voyage. On ralentit un petit peu. Et ça verrouille. Ah, c'est génial. On charge du reste. Charlie, Delta, reçu. Ouh! Passerelle ici, 1-1, qu'est-ce qui s'est passé, Gaëtan? La manœuvre de collision a fait de gros dégâts! Envoyez-moi un brancard! Lieutenant Reyes, on a besoin de vous ici tout de suite! Terminé! T'as entendu ça, Salt? Ouais. C'était fou, j'ai adoré cette phase. En jackal en vaisseau, sincèrement, ça marche tellement bien. C'est pas compliqué à jouer, hein. Vraiment, c'est très simple. Par contre, la partie FPS classique, vraiment j'avoue que parfois, il y a du challenge, hein, c'est pas évident. Et tant mieux, ça met un peu de sel à la campagne. Dites-moi en commentaire les amis ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Moi je me suis régalé vraiment, quelle mise en scène encore une fois dans la série Call of Duty. Hein, c'est vraiment une leçon de mise en scène, clairement. La VF est géniale, alors j'avais entendu comme quoi, j'avais lu comme quoi la VF était pas folle dans cette campagne. Personnellement ça me pose vraiment aucun problème, je la trouve de qualité. Super ambiance, franchement, j'adore. Et on se retrouvera demain, les amis, pour la suite de cette campagne sur Call of Duty Infinite Warfare. Merci encore à tous de suivre. N'hésitez pas à me donner vos impressions dans l'espace commentaire. Je compte sur vous, j'adore vous lire tous les soirs. Pensez également à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode dès demain, bien sûr. Et le petit pouce bleu du plaisir. Merci encore à tous et à très très vite. Ciao, ciao.